Je suis dans la chambre d'Alia, elle est dans son lit. Je pense pas qu'elle va dormir un petit peu parce qu'elle a déjà dormi, mais bon. Elle a commencé à gratter ses yeux, donc je l'ai mis dans son lit. Et je suis à côté d'elle. Sinon, je voulais vous revenir avec vous concernant sa tête à Alia. Donc je reçois plein de messages. Déjà, je vais calmer les mères parfaites là, qui m'envoient des messages. Oui, tu devrais t'inquiéter. Oui, tu devrais faire quelque chose. En fait, vous n'êtes pas dans ma vie tous les jours et 24 heures sur 24. Et donc, je parle pour les mères parfaites, hein, pseudo parfaites. Et je fais déjà quelque chose. Donc, merci. Vous n'avez pas m'apprendre ce que je dois faire. Après, pour ceux qui m'envoient des messages bienveillants avec des conseils, merci beaucoup. Ça, vraiment, genre, vous êtes au top. Vraiment, 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 merci, merci, merci. Mais on s'occupe déjà de ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme vous le savez, j'ai accouché, ça a mis 48 heures. J'ai mis 48 heures d'accouchement. Donc, hyper long. Et donc, pendant les 48 heures, en fait, Alia, elle était positionnée d'une mauvaise posture dans mon ventre, donc enfin, dans l'engagement, je sais pas quoi, je sais plus ce qu'on m'a expliqué. C'est-à-dire que le cou, il était d'un certain côté. Et quand elle est née, du coup, elle avait comme un torchicolis où elle avait toujours le cou d'un côté. Ce qui fait qu'elle s'endormait toujours du même côté et ce qui lui a provoqué un côté plus plat. Donc, une plat, je m'en rappelle même plus le prénom, plat, Sogéphalie, enfin, bref, c'est un nom. Maintenant, donc, Alia, depuis qu'elle a un mois, elle voit un ostéo. Donc, j'ai déjà changé deux fois d'ostéo. Donc, qui lui a réglé son problème de torticolis. Donc, déjà, ça, c'est déjà bien. Parce qu'elle avait tendance toujours à avoir la tête du même côté, même après de nombreuses séances. On a vu un kiné. Et bref, et on continue. Et en fait, c'est des séances où ils viennent lui remodeler le crâne. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand c'est un bébé, le crâne est mou, du coup il se remodèle, il se remolde. Bon, bref. Donc la tête en fait elle se refait plus facilement. Plus t'attends, moins plus c'est difficile on va dire de travailler la tête. Donc moi elle voit tout le temps un ostéo. Tous les mois elle a ses séances d'ostéo. On a même fait toutes les semaines des séances d'ostéo. Là, mardi, elle voit quelqu'un d'autre parce que j'aime bien avoir plusieurs avis de médecin. Moi, je suis comme ça. Donc, du coup, elle voit encore quelqu'un d'autre mardi. Donc, je vous ferai un retour du rendez-vous. Maintenant, pour ceux qui disent oui, fais attention, ça va être trop tard et tout. Non, en fait, il y a soit le port du casque donc, qui a été envisagé, pourquoi pas la nuit quand elle dort, elle a un casque. C'est un casque qui vient pour permettre que la tête se remette ronde. Donc ça, on va en parler mardi avec le spécialiste que je vais voir mardi. Toi, et ben on va continuer les séances pour retravailler la tête. Aussi, ce qu'il faut savoir, parce que vous n'êtes pas avec nous H24, c'est qu'il y a eu déjà beaucoup, beaucoup d'évolutions, genre vraiment truc de ouf. Avant, c'était vraiment tout plat. Maintenant, il y a un côté qui est plus plat et l'autre qui est plat. Donc déjà, ça a bien travaillé, on va dire, depuis qu'elle fait ses séances. Maintenant, pour les mères pseudo-parfaites qui disent oui, c'est parce que la petite, elle est trop allongée sur le dos, rien à voir. Voilà, vraiment rien à voir. Parce que la journée, elle est dans nos bras. Voilà, moi, j'ai de la chance d'être H24 avec ma fille. Donc, vous avez vu comment elle évolue grave vite. Il y en a plein qui me disent qu'elle est hyper tonique, elle est hyper évoluée par rapport à son âge. Je crois qu'elle n'a pas envie de dormir. Parce que tout simplement, je la stimule de ouf. Et je la stimule pas en. Donc elle revient toujours au même endroit où elle dort. À la même posture. Donc voilà. Donc c'est pour ça que mardi, on voit un autre spécialiste pour voir ce qu'il va penser. Après le spécialiste au téléphone, je l'ai eu au téléphone pour vous dire, il m'a dit, mais est-ce que vous voyez souvent des gens dans la rue avec une tête plate ou pas? Je lui dis, bah non, je vois jamais. Enfin, des adultes, il me dit. Donc il me dit, voilà, parce que ça se résorbe vachement rapidement. À partir du moment où l'enfant il fait du quatre pattes, ou alors il va s'asseoir tout seul, ou il va marcher, tout ça, en fait, ça va se résorber tout simplement. Parce qu'il va avoir l'habitude d'être tout le temps sur le dos, d'être tout le temps sur le ventre, pardon, de se retourner, de tout ça. Et c'est ce qu'elle fait Alia en ce moment. Bah, maintenant, en ce moment, elle se retourne. Elle veut. En fait, en tant que maman, je trouve qu'on est mal renseigné sur ça, sur la plageo. Je ne sais pas vous. D'ailleurs, je vois, il y a de nombreuses mères qui m'envoient des messages qui me disent, t'inquiète, Sarah, mon enfant était pareil un certain mois, ça s'est résorbé hyper bien une fois qu'il s'est mis à quatre pattes. Bon, bref. Et je trouve qu'il y en a plein, mais on n'en parle pas assez. Par exemple, moi qui étais nouvelle maman, si
si j'avais pas un petit peu regardé sur internet et si j'avais pas une communauté comme vous qui m'avait pas envoyé un message en me disant Sarah, ta fille elle a un torticolis. Peut-être un torticolis et je suis pas au courant. Donc voilà. Donc faites attention à vos messages. Quand vous envoyez des messages à quelqu'un, restez toujours dans la bienveillance, dans la compréhension et restez. Là, je crois que c'est mort la sieste. Et restez en mode gentil. Voilà, parce que des fois, vous avez des façons de dire les choses. Voilà, donc déjà, je suis hyper bien content. Mais voilà, c'était vraiment pour faire ce message, pour dire faites attention vraiment à la forme que vous mettez quand vous parlez, quand vous essayez de donner des conseils, parce que je vous assure, en fait, des fois, c'est lourd. C'est pas que c'est lourd vos conseils, hein, pas du tout, hein. Mélangez pas tout, parce que j'ai quand même une communauté très bienveillante. S'il faut un peu dodo. Et ensuite, on ira au bain. T'as choisi ce petit doudou, ma fille? Hein? Il est trop doux. Dodo. Bravo, hein? T'es bien. Allez, allez maman, allez maman, allez, allez Alia, allez Alia, en fait, par mon amour. Alia, on va aller au bain? Ouais. Bon, on va aller au bain là. Pendant que papa il regarde le foot parce qu'il y a l'OM. Donc, pour l'instant, il est 0-0. Si on gagne, on passe avant Nice, chérie. Ouais, si ma tante a la navette, ça serait mon nom. Oh, ben, ma fille. Là, ça fait piquer par un moustique aussi au front. On a marre des moustiques. Vas-y, bouge tes pieds. Montre comment tu fais. Tu t'excites comme ça. T'aimes bien le bain? T'aimes bien le bain? Bon, cette story, elle concerne que les filles. Ouais. Outfit course. Pêche. Faire des poireaux. C'est quoi ça? Des crêpes? Je t'ai pris des crêpes. Ah putain, il y a un jambon. Haricots verts. Bien là, on va faire plein de petits pois, Alia. C'est quoi ça? C'est du radis. Non, betterave. La betterave, je sais pas pourquoi à chaque fois je dis radis. Des pommes bio. Par contre, gros conseil les filles, regardez. Ce matin, j'ai fait la belle, j'ai mis mon sérum devant vous, je l'ai même pas bien étalé là. Je viens d'arriver aux courses, donc je vais vous faire le petit plan détaillé des courses pour celles qui veulent faire un petit peu après la recette. Donc la petite quiche. Je dois acheter aussi hein, des lasers, des petits trucs comme ça. À tous pour cette. Bon, je vais me chauffer les filles à refaire des petits trucs comme ça. Voilà, j'ai trop. Pour faire mes lasers. Bientôt, on va reprendre ça. Raclette fondue. Les fils que j'ai trouvé. Bien ça. Deux bouteilles.
Voilà. Alors, chérie, elle est bonne? Oui. Putain. Voilà. Maman, elle répète après moi, maman, 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 maman. Maman.